Vous ne bougez pas de là vers les nombres. Oui, les gros bangalas de Stéphane. Les gros bangalas de quelle question? Les enfants, allez-vous coucher. S'il y a les enfants dans la salle, allez-vous coucher. Jean Père Petit m'a levé encore côté, j'étais sale, ma sœur. Partagez, je parle là vers les nombres. Parle vers les nombres. Partagez les dilettes, je vais parler, je parle vers les nombres. Vous n'avez pas encore fait les postes d'un bracata, si vous mirez, c'est le débit. J'ai dit, je répète, Kalisma Nyang ma sœur, je t'aime beaucoup, manqué. Tu connais que moi, les marmas verbales, je t'aime beaucoup, ma sœur. Mes sœurs, je vous y aime beaucoup, beaucoup, mes sœurs. Partagez, je parle vers les nombres. Moi, maman, je parlerai toujours vers les nombres. Je suis en train de niasse. Je dois partager pendant que je niasse. Je dois partager mes envies avec mes sœurs. Je dois partager mes envies avec mes sœurs. Je ne suis pas une femme chiche. Mais t'avais mouraouim. Même quand je prends mon billet. Même quand je prends mon billet. Je suis avec mes sœurs. Il y a un député qui est venu me dire que là vers moi, Rora. Ce n'est pas les bakéba Jonah. Je soutiens tout le monde qui est en train de mettre à terre quelqu'un. Partagez, je parle vers les nombres. Oui. Bon, en fait, il faut ouvrir pour le trou là. Il faut ouvrir un peu les trous. Ouvre un peu les trous, il dit qu'elle dit ouvre un peu les trous. Maman demande à son gars d'ouvrir un peu les trous. Dis ouvre un peu les trous, les litouba. Je parle vers les nombres, hein. Si vous ne me donnez pas les nombres, je pars, je ne parle plus. Yé, elle dit que les gros bangala, les gros dadala, les dadala de qui, dis chérie de maman, les dadala de qui, oh, dis chérie de maman, maman dit à son chéri que les gros dadala, les gros quoi, benjan, les gros dadala, il n'y a pas les enfants ici, hein, donc ne venez pas faire là comme si vous êtes les enfants de Dieu, awek pona weni nang la nabe ba lomba nan. Ni bon comme si ni nang la n'avait pas de l'ombre, non, vous ne dormez pas vers vos maris, question. J'ai dit, vous ne djembeillez pas vers vos maris, question. Quand maman t'a de mettre une partie des jambes en l'air, il y a les gens qui disaient que fais. Stéphane, épousez-moi, alors Stéphane, épousez maman verbale. Oh, Stéphane, épousez-moi, il va te faire beaucoup d'enfants. Yé. Je vais te donner, bébé. Je serai une bonne femme pour toi. Je serai une bonne femme pour toi, Stéphane, épousez-moi. Il va te donner beaucoup d'enfants, Stéphane, épousez-moi. Aïe, les gros dadalade, qui est? Pour bébé. Oh.
Je parle vers le nombre. Non, je ne savais pas que certaines personnes aimaient la fesse comme ça. Regardez comment la fille entende enjoy les gros dada là. L'entende enjoy les gros. Vous aimez trop les Congos, abor abar liré. Abor abar comptoir, les femmes du comptoir. Vous aimez trop les Congos, les femmes du comptoir. Yay! Aïe, c'est femme, pardon, c'est comme si tu venais d'aimer des vierges. Eh, c'est femme, pardon. Oui, oui, le gros dada la de qui est de Stéphane. Le gros dada la de qui est de Stéphane. Stéphane, pardon. Stéphane, c'est comme si tu venais d'aimer des vierges, je te jure. Ça chauffe, c'est pas ça chauffe, ça chauffe. Qu'est-ce qui chauffe? Il y a les feux là-bas, ma sœur. Question. Ma sœur à moi, il y a les feux en bas. Qui allume les feux dans les kidés, ma sœur? Question. Bon, en fait, tu ouvres un peu le trou. Ouvre un peu les trous. Stéphane, ouvre un peu les trous. Ouvre les trous. Ouvre un peu. Quoi, mes chers? Les trous. Oui, oui, le gros bangala, oui. Bébé, c'est pas l'épouse maintenant. Il veut tout te donner, bébé. Il sera une bonne femme pour toi. Il veut te donner beau bébé. Toi aussi, épouse la Noël, sera une bonne femme pour toi. Yeah, les goûts du dadala de sa maman. Yeah, les goûts de quoi, eh, mes chats, du dadala. Les goûts de quoi, oh, du dadala. Les dadala de qui, eh, de Stéphane. Les dadala de qui, oh, de Stéphane. Ma sœur, si ça chauffe beaucoup, tu mets le ventilateur. Si les bangala de Stéphane chauffe beaucoup, tu mets le ventilateur, ma sœur. Ma sœur, tu mets les ventilateurs, les ventilateurs. Si les bangalais trop gros, que ça chauffe beaucoup, tu mets les ventilateurs. Je n'ai pas prononcé quelqu'un. Et moi, j'ai dit que je ne fabrique plus les gens. Chacun est libre de mettre sa propre opinion. Moi, maman, je ne fabrique personne. La personne qui se sent mauvaise, c'est M. Lejoul. J'ai dit que la personne qui se sent mauvais, c'est M. Lejoul. Moi, maman verbale, je ne prononce plus personne si dans les directs. On écoute. Vous êtes comme ça, vous passez votre temps à pleurer les dadala. Et vous passez le temps à pleurer les dadala. Quand vous êtes avec les clients, vous pleurez les dadala. Question. Quand vous êtes avec les clients, vous pleurez aussi les dadala. Question. Ou vous pleurez seulement les dadala de vos maris. Question. Donner les conseils, la sœur dit que ça chauffe. Elle doit mettre quoi? Et question. Qu'est-ce que la sœur doit mettre? Question. Pardon, c'est comme si tu venais de me défiler. Stéphane, pardon. Stéphane, c'est comme si tu venais de me défiler, je te jure. Tu gires quoi, ma sœur? C'est trop de bonheur ou c'est trop de douleur? Ma sœur, tu dis que tu gires. Tu gires quoi, ma sœur? Manque, tu gires quoi? Quelque chose qui ne t'y pas, t'y plaire. T'y plaire pourquoi est question? Nous qui est Emaya. Quelque chose qui ne t'y pas. Tu plaires quoi, ma sœur? Tu dis que ça chauffe plus que quoi, question? Les quantités de bangala que tu prends par jour dépassent seulement un gros dadala de ton mari, question. Qu'est-ce qui chauffe, question? Oui, oui, oui. Hey, elle dit que le gros bangala, la sœur dit que le gros dadala, le gros dadala de qui est de la sœur, le gros dadala de qui est de la sœur. On écoute. Oui, oui. Bébé, c'est pas l'épouse maintenant. Il veut tout te donner, bébé. Il sera une bonne femme pour toi. Il veut te donner beau bébé. Oui.
Bon, je ne m'aime plus. J'ai dit, oh, je vais vous parler de quelque chose. Ce n'est pas un clash, hein? Ce n'est pas un clash. Attendez, d'abord, je prends de l'eau. On t'a dit de mettre la capote sac. Tu dis de belles dents dans ta sac. Tu ne connais pas bien marqué sac, oh, sac, oh, sac. Aujourd'hui avec Stéphane sac. Le lendemain avec Otam sac. Ma chérie, tu joues Coronado sac, oh, sac, oh, sac. Ma chérie, tu joues comme Ronaldo, Saki, oh, Saki, oh, Saki. T'as bien quand j'ai même pas. Elle s'est masturbée, elle a regardé. Tant pis pour celle qui s'est masturbée pendant que la sœur prend son pied. Stéphane, elle épouse au manoir. Il veut tout te donner, bébé. Il serait une bonne femme pour toi. Il veut te donner un beau bébé. Ok. On va parler maintenant des choses sérieuses. J'ai dit, oh, aujourd'hui vous vous levez, vous partez faire les bibles sur les murs, qu'oh, vraiment, les gens sans personnalité sont venus appeler dans les directs des mamans, qu'oh, vraiment, les gens qui ont incité les mamans des gens hier, les gens ont incité les mamans des gens maintenant, les gens partent appeler dans les directs, go Q, go Q. Donc, vous avez mal quand les abeilles métastasées viennent appeler ici. Pourquoi vous avez mal question? J'ai dit, oh, Kini Konwongi, vous avez peur de quoi? Vous ne pouvez même pas vous contrôler. Depuis que les gens font les arrangements avec vous, pour publier les faux profits de Perpé, pour inciter Perpé matin jusqu'au soir, vous partagez si vos murs. Qui sait plein question? J'ai dit, oh, petit direct que maman fait hier là. Petit direct que seulement un seul faux profil de l'autre côté appelé, vous avez déjà peur. Yay. Si on va même parler de ralliement sur la toile, il y a qui passe son temps à chercher les ralliements de gauche à droite comme les pipitologues. Question. Il y a quelle star sur la toile si, qui adore les ralliements et comme les pipitologues au point de cracher sur Tata Mana. Moi, maman, je parle seulement les vérités. Au point de cracher sur Tata Mana en partant à presser l'enfant de Tata Nathalie. Sachant que Tata Nathalie et Tata Mana ne se parlaient pas. Tata Nathalie et Tata Mana ne se parlaient pas. Mais comme toi, l'urinologue, tu as besoin de ralliements. Tu as seulement vu Tata Nathalie dans ton direct. Tu as commencé à donner les éloges à sa fille. Yeah. Maman, les baisses de la Starmania. Tu fais honte, pipitologue. Pipitologue, tu fais honte. Tu es prêt à tout pour la Starmania. Tu t'en fous, même s'il faut vendre ton âme au diable. Pour la Starmania, tu es prêt à tout. Les gens, comment quelqu'un qui a été publié sur la toile, sa tante a été là pour elle. Je suis désolée, je ne me mêle pas des problèmes de famille. Parce que tôt ou tard,
Tôt ou tard, vous allez vous remettre. Mais moi, maman, j'ai parlé selon la droiture et j'ai parlé selon les genèses. Toi, l'urinologue, tu as pris la honte et tu as jeté par les fenêtres. Toi, l'urinologue, c'est très souillant de ta part. Toi, l'urinologue, c'est très, très souillant de ta part. Tu connais que ta tante, ta tamana, et ma tante, à mes camères, tu me demandais pourquoi je suis dans le noir à mes camères. À mes camères manquées, je suis dans le noir parce que j'ai peur qu'on me détecte. À mes camères manquées, puis on va toi, mon frère. Mon frère, à mes camères de la base, j'étais sali. Après, on va raconter que voilà à mes camères qui vient dans le direct de maman. À mes camères en poste, demandez que pourquoi elle est dans le noir. À mes camères parce que j'ai peur. Mais quand on dit j'ai peur, si je sors dans la lumière, on va me flinguer. On va prendre l'arme, on va me mettre dans la tête, on va me flinguer. J'ai dit, oh, quand quelqu'un a ce qu'on appelle un manque de personnalité, je ne sais pas si un hôpital, balengim docteur, il est, bah, on va manquer de personnalité. Je ne sais pas si c'était vie. Il y a un hôpital où on envoie les gens qui ont un manque de personnalité aussi poussé. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle avoir une dignité. Oui, on m'a ciblé un go. Tu sais ce qu'on appelle un go. Ou, il y a un go. Tu es un animal. Ok, mon frère, écoute seulement. Ce sont les affaires de sang qu'elles sont. On ne parle pas de la politique, mon frère, à mes camères. Gwambi Indi, puis on appelle ça ambassade. Gwambi Indi. Les choses de sang qu'elles sont. J'ai dit, oh. On t'a publié ni ici, si, là, toi. Tu es avec qui? À part ta famille, question. Ou bien, tu passes toujours ton temps à faire les coups bas à ta tante. La chauve-souris m'a incité ta tante ici, là, matin, midi, soir. Tu n'étais pas levé pour défendre ta tante. La chauve-souris m'a incité ta tante ici, là, si, là, toi. Matin, midi, soir, jusqu'à dire que les faux profils, Carlos et Gildas, pour les hier là, qui viennent d'arriver, quand maman parle avec les Genèse. Jusqu'à dire que les faux profils qu'on appelle que Carlos Gidas, c'est ta tante, Kachiji, question, toyom. Oui, pour qui? Tu as parlé quoi? Rien. Oui, yon ba seble un gwo. Pipitologue, tu es le chien. L'irinologue, tu es le chien. Tu es une sans personnalité. Bolo yon yende bo ki ngwo. Tu aboies comme le chien. Et tu ne dis rien de concret. Tu aboies comme les chiens et tu ne dis rien de concret. Tu n'as pas honte. Tu as tellement besoin de ralliement. Tu parles de ralliement. Qui t'a dit que qui fait les ralliements? On a besoin de ralliement pour te clasher, toi, l'urinologue. Moi, c'est le marmage. J'ai dévalisé ta team de deux personnes et tu le sais. Moi, c'est le marmage. J'ai dévalisé ta team de deux personnes et tu le sais. Je n'ai pas besoin de ralliement. Si moi j'ai tenté de faire le ralliement avec les gens d'Ingoï, je vais seulement te mettre 2 mètres sous terre. Parce que moi, c'est, je suis le tsunami. Tu connais moi. J'ai dit que moi, c'est meilleur, moi, c'est le tsunami. Tu connais moi. Lolo Pipi, tu connais moi. Une histoire qui n'a pas de personnalité comme ça. Maman, mais il faut même te cacher un peu. Essaye même quand même de te cacher un peu. Tata Nathalie et Tata Mana ne s'entendaient pas. Tata Nathalie et Tata Mana ne s'entendaient pas. Tata Nathalie est libre de marcher de direct en direct comme elle veut. Mais tu pouvais l'ignorer. Tu n'étais pas obligé de la prononcer. Il y a des gens c'est là qui viennent dans mes directs. Que je vois qui partent dans tous les directs. Moi, je ne les prononçais pas. Par respect pour ta tante, si tu connais ce qu'on appelle la voix de lapidaire. Si tu connais ce qu'on appelle qu'à voix de lapidaire, par respect pour ta tante, tu ne devais même pas faire les éloges à l'enfant de Tata Nat. Tu ne devais même pas, même à une seule seconde, faire les éloges à Tata Nat. Moi, je peux prendre Tata Nat parce que je ne suis pas dans la team d'Engoui. Donc, je suis libre de prendre qui je veux. Mais toi, tu es censé supporter ta tante. Tu es censé supporter ta tante. Mais qu'as-tu fait? Tu n'as pas honte. Moi, benyou. Tu es tellement idiote que tout le monde ressent qu'il y a des problèmes dans votre famille.
Même la politique, tu ne connais pas faire. Tu es tellement idiot, tellement bête que même si on ne connaît pas ce qui se passe, tout le monde sait qu'il y a les vents qui soufflent dans ta famille. On comprend qu'il y a les problèmes entre toi et ta tante et tu ne te caches pas. Je bois ma lèpre. Non, ma lèpre. Je bois quoi, Jean? Je bois de l'eau. Jusqu'à pas dire que vous faites les ralliements pour me détruire. Tu es quoi? Tu vaux quoi? Yo ma bibé ba pour ma koni. Ayo ma bibé ba pour ma koni, la femme qui a les pieds de la chèvre. Tu es quoi? Tu vaux quoi? On a demandé à ton totem sorti de quartier, de pays un Jean-Jean là. On a demandé à ton totem sorti de pays un Jean-Jean là de faire les gilets de clasher son voix. Elle peut supporter les abeilles. La seule team qui peut rivaliser ces abeilles, c'était toi, c'est la TKC, c'est reconnu. Tu n'as pas de team, c'est pourquoi tu es toujours en train de vouloir récupérer les restes des gens. Samser le woman déchenga pourriture. Ou quoi, chime? As-tu une chime? Question. Tu as une chime? Quand les vraies stars se lèvent sur la toit, disent qu'elles ont les team. Toi aussi, tu peux parler que tu as une team. Ton totem sorti de l'essai, quel pays est parti chercher les renforts quelque part. Tout le monde voit. Ton histoire qui parle les mauvais français, oui, les garçons, les femmes, je ne sais pas. Partagez les directs. Tu nous as déjà vu nous plaindre. Question. Soyez fair play. Laissez peindre la douleur. Laissez peindre la douleur. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens de l'autre star là, venez dans mes directs. Vous avez mal. Pourquoi? Laissez peindre la douleur. N'est-ce pas quand Tassarakole fait les dîners, il y a certains membres aussi de cette team-là qui partent chez elle. Question. Seulement parce qu'un seul faux profil de la dame lève une dame en direct, vous êtes dans tous vos états, vous allez arriver. Question. J'ai dit que je te mets au pas, je te dresse comme on dresse l'animal que tu es. Nourakai, animal que tu es. Je te dresse comme l'animal que tu es. Parce que quand je frappe, tu ne peux pas te retenir, tu peux pas pondre les possèdes sur ton mur. J'ai dit et je répète que tu étais au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui concernant l'entreprise. Tu étais au courant. Tu es machiavélique, tu es démoniaque. Oui, je l'ai dit. C'est moi Konkon qui parle, c'est moi Konkonda qui parle que tu étais au courant. Parce qu'elle, quand elle est partie au Cameroun, elle a dit, on lui a dit là-bas que tu as une soi-disant plainte. Malgré le fait que vous étiez en palabro. Elle est venue te dire, pourquoi n'a-t-il pas fait la même chose? Question, Nouakai Pourichi, avec les pieds comme pour Samangwana. Avec les pieds tordus comme pour Samangwana. Chouana Lai. Regardez-moi une sale chose comme ça. Elle se lève même pour dire que les gens la jalousent. Qu'est-ce qu'on peut bien jalouser à quelqu'un qu'on a avalé le clitoris? Question. Que pouvons-nous jalouser si quelqu'un dont la nudité se promène dans tous les téléphones? Même les fous se massivent avec tes fesses. Couillon. Même les mouches, même les fous, Bourbandjik, les Bakonandjik, les fous se massivent avec tes photos. Oui, Mourbiname. Les stars de films porno tournent, les porno les payent. Toi, t'as pas de porno gratuit. Gratos. Chouin. Chouin, tu es quelqu'un, dernier macabre de toute la toi. Maman, beaucoup de projets viennent aboutir. Tu as déjà fait combien de projets sur la toi? Question, qu'est-ce qui aboutit? Tu as déjà fait combien de projets sur la toi? Qu'est-ce qui aboutit? Tu avais d'abord commencé que tu es de la team et propriétologue. Tu ne donnes plus les conseils de propriété? Question, où tu avais conseillé? Tu ne donnes plus les conseils? De comment nettoyer les maisons. Tu as quitté de la team propriétologue. Tu as dit que tu ouvres à Kiss ouverte. Même à Kiss ouverte, tu te dépasses. Parti voler les noms de la sœur de l'autre là-bas. Dit que tu es la Oprah. Maintenant, c'est la télé. C'est ça que tu pourras. Question. C'est la télé là que tu pourras. Maman, beaucoup de projets viennent aboutir. Chouin. Tu es venu ici là, toi, par le biais de qui? De Shenga. Pourichinga. Lolo Pipi, tu es venu ici là, toi, par les biais de qui? C'est pas perpétu. C'est pas perpétu. Noir, kai, pourriti des filles. Quand les gens, les jeunes filles parlent même que elles sont les blogueuses, tu te comptes parmi les blogueuses. Quelque chose qui a bois comme cela, la rage. La maladie qu'on appelle la rage.
Kenge. La team des coquilles avec les poivrons. Tu connais, tu as préparé, tu prends les poivrons, tu mets dans les coquilles. Avec les mauvais seins. Les seins qu'elle plie, plie, met dans les mauvais soutiens. Couillon. Comme mes seins sont naturels. Tu ne sais pas qu'on fait une ablation, ma mère aussi. Quand on a trop de seins, on fait une ablation, ma mère. Ce n'est pas seulement mettre les prothèses. Tu peux aussi faire l'ablation. Parce que tes seins ne sont pas conformes à ton corps. Quelqu'un qui a les petits pieds au sol avec le tas de seins sur la poitrine. Tes seins ne sont pas conformes à ton corps. Tu peux faire ce qu'on appelle une ablation, ma mère. Chouin. Bipolaire, nga. Je bois de l'eau. Propre tolore avec coquille poivrée. Chouin. Tu aimes trop ta tante. Si tu aimais vraiment ta tante, avec tous les soutiens que ta tante t'a porté, c'est ici là, toi, quand on t'a publié. Tu connais que ta tante est une femme seule. Tu connais que ta tante est une femme seule. Elle élève ses enfants toutes seules. Elle prend un laitier, elle met en ligne. Tu connais seulement dire que tu partageais les directs de telle. Pourquoi tu ne mets pas les liens de laitier de ta tante si ton mire d'acquis ouverte? Question. Pourquoi tu ne motives pas les gens, toi madame, les pieds comme pour Samangwana? Pourquoi tu ne motives pas les gens à cotiser les laitiers de ta tante? Une femme est celle qui élève diamant ses enfants. Tata Manabiroba, toi. Tu ne m'as pas envoyé. J'ai parlé parce que je suis celle qui doit tout parler. C'est qu'elle voit parler. Il y a un métier, même pour rien, j'ai parlé. Madame Song, avec les pieds tordus comme pour Samangwana. Ta tante a lancé un laitier. Ça va faire bientôt 3 semaines. Elle n'a même pas encore 100 euros dans le laitier. Ton ami, maman ministre bananier qui est en dépression, n'arrive pas à joindre les débuts. Elle a lancé un laitier. Au moins, tu as partagé lequel de tes laitiers, c'est ton mire. Question. Quand on a une star dans la famille, quand on a une star dans la famille, on fait profiter de sa star mania à sa famille. Parce que tu as plus de gens qui te suivent que ces gens les suivent ta tante. Donc ta tante pouvait profiter de ta star mania. Nourab Kai. Wepe, chienne que tu sois, mal baisé. Ta stédo star mania, donc tu dis que tu es une stédo star. Ta stédo star mania, donc profite à qui? Question. Ta sedo starmania que tu dis que me yestage, si une star interplantaire. Ta sedo starmania, qui profite donc de cette starmania? Question. Tu connais seulement aller donner les éloges à l'enfant de l'ennemi giré de ta tante. Tu as pris la honte, tu as jeté. Hi, hi, madame Sophie. Tu peux parler où les gens parlent. Noam Kai, les seuls machins qu'on voit un peu de partout. Aucune personnalité. T'as pas de personnalité, ça boit comme un chien atteint de la rage. Noa, sapak. Envoie ta Sarah qu'on est venu prendre les coups de clash. Les gens vous ont demandé là-bas, n'est-ce pas? Les gens de la team de Ngoï sont venus vous demander là-bas que ta star me répond. Elle peut clasher. Elle a les niveaux. On vous a dit que les clashs, c'est les gros mots. Faut parler, les gens t'écoutent. Les clashs, c'est pas seulement inciter que les pipis du chat ont fait que. Elle a les niveaux. Ton totem sorti de Nil Pala, elle a les niveaux. Ou alors c'est ton Lolo la paix mauvais français là que tu vas envoyer combattre Marma Chipe. Vous pouvez combattre quel faux profil de perpétuité question Ninabe. Vous ne pouvez. Quand je puis quand ça soit sur toi, tu vois tes règles même 2 fois les mois. Quand je puis quand ça soit sur toi, tu vois tes règles les mois là 2 fois. Ma konabora ma longue les bas 2 fois, tu vois tes règles. Quand Chalo lise récupère, toi-même tu sens les séquements sur ton corps. Deschenga, dernier de la classe. Rions ciel. Rions ciel. Madame Sophie. Chouin. J'ai dit que l'école évangélique Mbangala ouvre ses portes le mois prochain. L'école évangélique Mbangala ouvre ses portes le mois prochain. Demandez à tous ces totems sortis de Kekonakri de venir s'inscrire. Je vous apprends comment on fait les clashs. Dans la comédie, et on fait passer un message. Madame So. J'ai dit et je répète que tu es une conspiratrice. Tu as conspiré. Elle n'a même pas honte d'ouvrir la bouche qui sent avec la bave. Quelqu'un qui parle là, la salive au coin de la bouche. Une fille qui bave comme je ne sais même pas quel animal bave autant. Chouin.
Tu n'as pas encore cherché les renforts. Noabkai. Aujourd'hui que vous voyez quelques faux profits de l'autre côté. Oui, la guerre, c'est les alliés. Ils doivent commenter parce qu'ils te détestent. Ou on t'insulte, ils sont libres de commenter. Rayon ciel. Rayon ciel. Moi-même, j'ai volé ça de l'autre côté. Deschenga. Elle cherche des soutiens. Si Tata n'a que le crime maintenant, elle va courir. Parce que tout ce que Fokwe refuse, elle prend. Tout ce que Ngonko refuse, tu récupères. Tu vas passer ton temps à récupérer le reste des gens. Je dis et je répète que l'école évangélique Mbangala ouvre les portes le mois prochain. Les inscriptions débuteront le 15 du mois. Tout le monde est prié de venir s'inscrire. Les classes changent avec les marmas verbales. J'ai dit que les classes changent avec les marmas verbales. Deschenga. Ngonko n'avait pas laissé Raja de Mélanine. Tu es parti récupérer Numbatologi. Vers les pieds comme pour Samangwana. Pardon, c'est comme si tu venais de me défier. Stéphane, pardon. Stéphane, c'est comme si tu venais de me défier, je te jure. Stéphane, ça chauffe, oui. Mais bon, en fait, tu ouvres pour l'autre, là, tu me regardes un peu ça. Oui, beaucoup Bangala. Oui. Tu n'as pas encore demandé aux gens de t'épouser, Noam Kai. À ton vieil âge, tu vas encore te marier. Mamie Samangwana, les pieds de dindon. Aujourd'hui, tu peux. Parce que les gens partent commenter là-bas que. Jusqu'à son totem dit carrément qu'elle a incité votre mère. Tu n'as pas incité la maman de Doudou Ngamba, c'est que le gros qui de sa, le gros qui de la maman la chouin. Quand les gens parlent que les gens ont cité les mamans des gens, tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Ou alors ton totem sorti de je ne sais quel pays peut l'ouvrir. La maman du blogueur que vous avez insulté, jusqu'à la photo encore sur votre mire, elle est quoi? Ce n'est pas une maman, question. C'est votre problème. Si j'ai insulté les mamans, qu'est-ce qui vous concerne à l'intérieur? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parlait de ta trahison et de ta conspiration, Deschenga. Tu as le syndrome de la trahison dans le sang. Parce que tu es en train de trahir ta tante en live, tout le monde te voit. Noir. Tu es en train de trahir ta tante en live, tout le monde te voit. Tu n'as pas le droit de partir, même commenter les photos ou donc de donner les éloges à quelqu'un qui déteste ta tante. Ou alors à quelqu'un qui est ennemi à ta tante. Ça ne se fait pas. Couillon, je bois. Tu as le syndrome de la trahison dans le sang. Tu as le syndrome de la trahison dans le sang. Ce que tu es en train de faire ta tante aujourd'hui, c'est ce que tu as fait perpétuer il y a bien longtemps. Tu trahis tout le monde. Tu es parti là-bas dans l'autre, tu as ramassé la chauve-souris. C'était ta personne. Question. Ramasser des déchets des autres. Toujours en train de fouiller dans les poubelles des gens. Avec le mauvais sens sur la poitrine. Va me faire une ablation, ma mère. Que bon, mais yoma, c'est la blasion, ma mère. Parce que tes seins ne sont pas proportionnels à tes pieds. Chouin. Couillon. Donnez, bébé. Il serait une bonne femme pour toi. Je vais te donner. Il ne vient pas de te dévierger, tu mens. C'est parce qu'on t'a arraché le clito que tu as beaucoup mal. Il ne vient pas de te dévierger. Chouin. Stéphane, pardon. Stéphane, c'est comme si tu venais de te dévierger, je te jure. Stéphane, ça chauffe, oui. Mais bon, en fait, tu ouvres pour l'autre, là, tu me regardes un peu ça.
sur moi, non. Il veut tout te donner, bébé. Il serait une bonne femme pour toi. Il veut te donner beau bébé. Oh non. Oui. Tant pis pour les gens qui se massivent pendant qu'elle prend son pied dans les gros dada là. Quand tu prends les clients, ça ne chauffe pas. Quand tu prends les clients, ça ne chauffe pas. Quand ça entre, quand c'est pour ton soin, disant Marie, ça chauffe. Couillon, qu'est-ce qui peut chauffer dans ton gros gros tout? Si tu venais de me diriger, c'est pas pardon. Stéphane, c'est comme si tu veux me dédier, je te jure. Stéphane, ça chauffe, oui. Bon, en fait, tu ouvres le trou là, tu me dédier. On n'ouvre pas les trous, on met comme ça. Oui, 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 le coup Bangala, oui, oui, oui. Il ne t'épouse pas, on n'épouse pas les anciennes, oui, les anciennes yéyé. Les fins de carrière comme toi. On n'épouse pas les fins de carrière, les anciennes yéyé. On n'épouse pas les fins de carrière. Tu demandes qu'on doit t'épouser à quel est Gengyang. Quand tu as passé le temps à vendre les qui dans tout le Gabon. Tu as passé le temps de vendre les qui dans toute la Guinée. Tu vends les qui même actuellement, on te prend les captifs de clan vers les godets, les lubrifiants. Mouran Noumoubo, il dit. Tu dis que tu as travaillé, que tu as congé parce que mais ton salaire passe. Que les non-stars, elles vendent les qui. Comment c'est fait qu'on retrouve un gode dans ta maison avec les lubrifiants? Chouin. Donc c'est vrai, ça fait mal, ça chauffe. C'est pour ça que tu as les lubrifiants. Elle pleure trop. Chouin. Tu n'abois pas quand tu djembe. C'est comme si tu venais de me diriger. Quand tu as des djembe, tu n'abois pas, tu supplies. Comme si tu venais de te viager. Chouin, tu ne peux pas mettre les lubrifiants. Là-bas, un lubrifiant, yoé. Tu ne peux pas mettre les lubrifiants. Ça chauffe. Ça chauffe, c'est les piments. Il oba, il. Mais je demandais que c'est les loba. Question. Chouin. Stéphane, pardon. Stéphane, c'est comme si tu venais de me diriger. Je te jure. Stéphane, ça chauffe, oui. Bon, en fait, tu ouvres pour le trou. Il n'ouvre pas. Pourquoi tu demandais qu'il doit bien écarter? N'écartez pas. Il n'ouvre pas. Stéphane, mets ça comme ça. Si ça blesse les bords, ça blesse les bords. On s'en fout. Dedans, c'est dedans. Mets seulement. Si ça fait, ça blesse les bords. On s'en fout. Les gros bangala, elle dit que oui, 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 les gros dadala, oui, oui. Ça dépasse le nombre de dadala que tu encaisses par jour. Question, tu prends partout même dans les narines, chouin. Tu prends partout même dans les narines, oui, 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 chouin. Quand c'est le client, comme il paie, tu ne plaires pas. Oui, oui. Bébé, il ne t'épouse ni risque. Il serait une bonne femme pour toi. Je vais te donner un beau bébé. Quel genre de beau bébé tu peux donner? Tu accouches encore, chouin. Je vais te donner le beau bébé. À quel âge? À quel âge, pipitologue? Oui, moi, je suis pipitologue. Je suis la bonne. À quel âge? Oui, moi, je suis pipitologue. À quel âge? Tu rêves encore de donner les enfants à qui a rampé? Yeah, rampé. Les faits là ne prennent pas les mots d'un rap sens. Les mots d'un rap sens. Les faits là ne prennent pas rampé. Ça ne prend pas. J'ai dit et je répète que l'école évangélique Mbangala ouvre les portes le mois prochain. N'ayez pas honte. Venez, mettez la honte de côté. Vous venez vous inscrire. Je vous apprends comment faire les clashs dans l'humour. L'école publique évangélique Mbangala ouvre les portes le mois prochain. Les inscriptions débuteront à partir du 15 du mois d'août. Les inscriptions débuteront à partir du 15 du mois d'août. Vous êtes priés de venir vous inscrire. Chouin, un déchet qui fait les poses sur son mur, on l'insulte seulement.
Tu n'as pas vu comment les gens sont en train de t'insulter là-bas. Qu'elle va répondre à Marma si tu paies. Tu n'as pas les niveaux de Marma. Tu as les niveaux. Tu peux me répondre, tu peux moi. Quand on dit que clash, quand je prends les requis, je prends les informations. Mon calme est un calme olympique. Mon calme est toujours un calme olympique parce qu'on ne sait pas de quel côté Marma sort. Quand elle sort avec les balles qui sont très transversantes. Donc méfiez-toi. Méfiez-toi de mon calme olympique quand je ne parlais pas. Tu ne sais pas ce que c'est en train de c'est en train de colporter dedans. Ah ouais, ce que c'est en train de mélanger. Parce que ma sortie sera toujours dévastatrice. Te voilà qui plaît les gros dadala. Vous parlez des montages. Tu ne te rappelles pas les montages que tu fais. Tu as fait sur l'agent de Mélanaï. Vous parlez des montages parce que vous êtes les champions dans les montages. Chouin, c'est la vérité. Pardon. Il n'y a pas de pardon qui tient. Tu venais de me défier. Stéphane, pardon. Stéphane, c'est comme si tu venais de me défier. Je te jure. Stéphane, ça chauffe. Oui. Bon, en fait, tu ouvres pour le trou là. Tu... On n'ouvre pas les trous. On n'ouvre pas, on met comme ça. Oui. 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 Beaucoup, Bangala. Oui. Oui, oui. Il est épousé, on n'épouse pas les vieilles robières. Il serait une bonne femme pour toi. Je vais te donner un beau bébé. Bon, je pars. Je ne parlais plus. Je venais seulement dire à la team des deux personnes que laissez peindre la douleur. Aujourd'hui, vous allez faire comment? Ils sont nombreux dans les directs aujourd'hui, hein? Parce que même si c'est moi, à partir d'aujourd'hui jusqu'à désormais, où je vois qu'on t'excite, Pipitolo, j'ai pas, je t'excite propre. Oui, oui, c'est comme ça. Parce que tu marches sur la toile comme les mauvais esprits. Tu es une égarée sur la toile. Partout où on excite tes collègues, on voit tes pieds tordis, tes pieds comme les pieds de chèvre. Donc, dans mon direct, à partir de maintenant jusqu'à désormais, quand je lave cette saleté, vous êtes les bienvenus, mais dans le calme et dans le respect. Oui, oui, c'est comme ça. Dans le calme et dans le respect, vous êtes les bienvenus dans mes directs. Une chienne mal baisée comme ça. Aujourd'hui, tu vas pondre les tests et on fait les ralliements. Pour te toucher, on a besoin de ralliements. Pour te toucher, qui a besoin de ralliements? Oui, oui, monsieur Ngosso, j'ai fait ton après-midi, monsieur Ngosso. Mon frère, monsieur Ngosso. Oui, oui, je pars. Je ne parle plus. Ce n'est pas un monologue. Si quelqu'un vient appeler pour se défouler, si le téléphone est ouvert, il est garé comme ça avec sa team de deux personnes, les sorciers. Les sorciers. Chouin. Tu ne vois même pas toute la personne que les gens vont s'associer pour détruire. Guy Emmanuel, c'est l'ingondala, t'es mis au pas propre, tu connais. Choupi Kanga, t'es mis au pas propre, tu connais. Si maintenant, qui va se mettre avec toi, tu es d'abord combien? Il est déception de toute une famille, la honte de toute une famille. Tu fais les problèmes à ta tante, ça se voit, c'est visible. C'est visible qu'il n'y a plus un tante dans ta famille. C'est visible. Tu as eu les problèmes, ta tante était là pour toi. Tu aimes des deux personnes, chouin. Elle plaît les bangala nombre d'accord. Qu'elle avait les clients, elle ne plaît pas. Une sauvageonne comme ça qui part dans la maison des passes, dans sa chambre des passes pour faire les directs. Elle oublie les gouttes. Elle oublie les gouttes. Les gens filment, capturent. Sa sœur qui ressemble, qui, celle-là même, je ne la calcule même pas parce que celle-là même, je préfère même pas, je ne vais même pas glisser sur celle-là. Elle s'est parlé de la beauté. Quel genre de beauté? Il volait des gloches chez Sephora. Il ne sait pas qu'il vole les gloches chez Sephora. Porte quoi? Maman ne provoque pas, maman riposte. Maman ne provoque pas, elle riposte. Si on ne me provoque pas, je ne riposte pas. Je n'achète pas les problèmes. Mais t'as même un somme dans. Je n'achète pas les problèmes, je riposte. C'est comme ça. Elle a fait combien de directs où elle m'excitait sur Instagram? Question.
Elle a fait combien de directs où elle lançait les piques? Elle incitait maman Pépé sur Instagram, question. Son totem est garé de je ne sais où a fait combien de directs? Combien de posts s'y sont mis? Où elle incitait ma star? Chacun défend sa star, c'est comme ça. Elle est le soldat des pipitologues, je suis le soldat de Pépé Maléba. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, on va y arriver. Doucement, doucement. Je bois de l'eau. Oui, oui, je suis des régulateurs, ma sœur Linda Lynn. C'est moi le régulateur sur la toi. Je suis des régulateurs. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Une femme est belle, c'est elle, c'est celle qui a tout à la place qu'il faut. Une femme est belle, c'est celle qui a tout à la place qu'il faut. Pourquoi ne porte-t-elle pas les kilos? Question. Pourquoi ne porte-t-il pas les kilos? Les fesses, tu n'as pas. Les pieds, au sol, on dirait que ce sont les pieds de chèvre. Bonaki, tu es comme un extraterrestre. Tu es comme les dessins animés. Zéro forme. Tu n'as pas de forme au niveau des seins. Va te faire une ablation, ma mère. Tes seins ne méritent pas ton corps. Chouin. Couillon. C'est rampé-rampé qu'il a bindé. Elle dit que Stéphane. C'est rampé-rampé qu'elle est en train de la secouer. Bon, je pars. Je ne parle plus. La personne qui va appeler me dit, je prends. Si vous n'appelez pas, je pars, je ne parle plus. Je voulais seulement dire à son totem sorti de nulle part là qu'on n'a pas besoin de poste. On veut les clash. Parce que ta star en train de bouffer les Ndjangi. Prouvez-nous que tu frappes fort. Laissez-nous les postes, les longs postes que vous mettez sur vos mis sales, les mis pourris. J'ai dit que prouvez-nous que tu es un soldat. Toi de la team de deux personnes là, prouvez-nous que tu es un soldat capable. Voici le moment, Ngerankola. Les masalas disent qu'un Ngerankola. Prouvez-nous que tu es un faux profil de taille capable. Prouvez-nous. Chouin, déchenga pourriture. Tu n'as pas encore mis mal, hein? Quand vous partagez les choses des autres groupes, vous n'avez pas mal. Chouin, jusqu'à aller quémander les demandes d'amis. Vous avez la mémoire sélective. Chouin. La mémoire écoute, alors il y a le coup circuit à l'intérieur. Team de deux personnes, les démons. Les démons. Hasta jamais ça, tu vas entendre longtemps. Je suis le marmot verbal. Ils attendront longtemps. Oui, oui, les seuls faux profils qui font parler les vrais profils. Acceptez la demande et t'envoyez la demande, ma sœur. Acceptez la demande. Tu venais de me défier. Stéphane, est-ce que c'est des prénoms qu'on est en train de prononcer? Je te jure. Stéphane, ça chauffe. Oui. Bonsoir, le magma. Magma verbal. Mais ma sœur, parle, lave. Ta voix me tue. Lave-la bien, lave-la bien correctement. Ton accent me tue. Ouais, Seigneur, la femme, si ta voix la sort de maman, pardon, contamine pas même un peu. Viens t'inscrire les inscriptions depuis le 15 août. École évangélique en Bangala ouvre les portes le mois prochain. Viens t'inscrire. Oh my God. Ouais, la femme, si. Oh Seigneur, non, je meurs. Ta voix me tue. Pipito,
Le tour aussi, là, nous sommes sauf que sur toi, avec ta vieille chatte, là, on va te faire ça dur. Je dis que le tour aussi, là, c'est toi et nous, on ne va plus te rater. Le tour aussi, you go pay, you are too wicked. Tu es trop méchante. Tu es méchante, Pipito. Tu es méchante, franchement, tu es méchante. Où on clash et ton ancienne copine, tu te retrouves. Où on clash n'importe qui, tu te retrouves. À cause des miettes, toujours à cause des doubles, c'est ça que vous appelez litchi. Le litchi jusqu'à quand? Tu n'as rien. Même le terrain vide dans ton village, tu n'as pas. Tu es belle. Tu es belle avec quoi? Avec le pompé que tu as devant là. C'est quelle qualité de beauté? Tu as quoi? Si on quand les vraies femmes vont parler, toi tu vas dire que tu as quoi? Quand la qualité, parce que quand on va t'enterrer, on t'attelle, ça n'a rien. Tu n'as même pas de souvenir derrière. Tu as quoi? Tu as quoi? Quand les vraies femmes parlent, toi tu as quoi? Va même essayer même d'adopter un enfant quelque part. Tu es trop méchante. Tu es méchante, plutôt. Et je ne te demande pas que tu es en train de payer. Tu es en train de payer pour ton mal. Tu es en train de payer pour ton mauvais cœur. Parce que tu es haineuse. Tu as la haine en toi. Tu as la haine. Tout ce que tu fais, rien ne réussit. Même ton litchi. C'est parce que tu allais peut-être parler à tes gens derrière, à cause de la honte. On vient te mettre l'argent dedans. Sinon, ça devait rester zéro. Zéro comme d'habitude. Tu es méchant, Pipito, tu es méchant. Lolo, il faut changer ton cœur. Il faut changer ton cœur envers tes soeurs. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu es une femme. Cesse de nous dire que tu es belle. On mange la beauté. Tu es belle plus que les qui. Question. Tu es belle plus que les qui. Quand les vraies femmes m'ont parlé, tu es belle plus que les qui. Tu n'as même jamais porté, même seulement porté un enfant pour 2 mois dans ton ventre. Tu parles de beauté. Tu es belle avec quoi? Tu es belle avec quoi? Soyons honnêtes. Tu es belle avec quoi, Lolo? Tu es belle avec quoi? Il faut arrêter. Même Mana qui est ma tante. Mana qui est ma tante. Tu n'arrives même pas à la supporter. Ça se voit aux yeux de tout le monde que vous êtes dans les problèmes. Mais que vous êtes toujours en train de cacher. Mais ça se voit. Ça se voit. Tu ne supportes. Tu préfères aller supporter Babalé. Absolument parce que tu peux détruire une autre personne et laisser ta tante dans les problèmes. C'est comme ça que la famille se passe. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait chez les Bamiléké? Tu préfères aller prendre Est l'étranger. C'est là capable que tu de supportes. soutenir sa tante. Sa tante a seulement 20 $ dans les litchis. La Je Sapara a déjà n'ai 500, capable. même pas pensé à ça ce matin. Je dis, mais la femme, c'est même normal. Elle n'a pas fait le litchi. Pourtant, le litchi de Mana est là depuis. Au lieu d'encourager les gens de cotiser parce que sa tante a vraiment besoin de ce litchi pour ses neveux. Là, tu es méchante. Même dans ta famille, tu as le mauvais cœur. Tu as le mauvais cœur, Lolo. Tu as le mauvais cœur. C'est toi qui as amené ta tante aux yeux de tout le monde comme ça, l'a balancée sur Facebook. C'est à cause de toi que cette femme est dedans. Elle était dans l'ordre, elles ont commencé la histoire de Canada, mais ce n'était pas trop comme avant, comme maintenant là. C'est à cause de toi, Lolo. Elle t'a défendu sur la toile. Ta tante t'a défendu. Mana, vous reconnaissez ma voix, je parle, elle sait qui parle là derrière. Mana, c'est. Tu es méchant, Lolo, tu es méchant. Tu es méchant, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas à ta famille, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Tu m'as aussi, tu utilises le gourde, maman. Les femmes mariées qui utilisent les gourdes. Ouh, oh, chez moi. Oh, chez moi. La honte d'une dé. J'ai honte d'être une déienne à cause de toi. J'ai honte. J'ai honte, Lolo. Tu me fais honte. Tu me fais honte. Je suis une digne fille Tonga. Tu me fais honte. Tu me fais honte, Lolo. Merci beaucoup, Magma Verba. C'est tout ce que je voulais faire passer comme message à Lolo. Qu'elle sache que les gens voient. Je te mens pas comme moi, je t'attends au village. On va se trouver one day. Je vais te mettre aux yeux. Je dis que dans le Hantong, à la balle, on va se retrouver. Ne te dérange même pas. On va se retrouver one day. Merci beaucoup au Magma Verbal. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Moi, j'aime ton humour. Hein. Je suis pédagogiste, mais moi, Voilà. j'adore ton humour. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au-delà de dire qu'il y a les incités, il y a d'abord l'humour qui attire les gens. Il y a d'abord l'humour. Tout le monde hésite sur la toile, mais il y a d'abord l'humour. Les gens viennent se déstresser. Voilà. Ta voix là, pardon, ne change pas ça, chérie Coco, pardon. Ta voix là me tue seulement. Merci beaucoup, la fête. Merci beaucoup. Ok, ma sœur. Demandez seulement parce que dans tout ceci, c'est le Cameroun qui gagne. Mes sœurs, dans tout ceci, c'est le Cameroun qui gagne. Même s'il y a quoi, si l'un d'entre nous tombe, son corps n'ira pas en Côte d'Ivoire.
Son corps n'ira pas au Sénégal. Son corps ira au Cameroun. Nous sommes dans une team, il y a beaucoup de pays. Mais avant tout, d'abord, quand tu tombes, c'est d'abord ta communauté qui te regarde. Avant qu'une autre communauté vienne derrière. Donc, je demandais que le dialogue se fasse dans le respect. Je ne vais pas les insulter. La personne qui insulte une tricasse est automatiquement bloquée. Je vous en supplie. Le dialogue doit se faire dans le respect. Respectons-nous les uns les autres. Le dialogue doit se faire dans le respect. J'ai demandé que tout le monde appelle. Je pense que je suis la seule personne ici, là, toi, qui donne cette chance-là. Je demande aux gens d'un camp adverse de parler dans le direct. Je pense que je suis la seule personne. Au-delà de tout ce qu'on raconte sur moi, on me traite de haineuse, on me traite de tout et de tout. Mais tout ce que moi, maman, je fais sur la toi, tout le monde le fait. Maman cite, tout le monde cite. Mais aujourd'hui, quand même, depuis hier, je donne la chance aux sœurs là. Parce que même si nous sommes en guerre, nous sommes tous des Camerounaises. Nous sommes tous des Camerounaises. Donc, des grâces, les sœurs de l'autre côté, vous qui venez à la tête cassée, des grâces, que le dialogue se fasse de manière polie. Moi, ma cible aujourd'hui, c'est elle, c'est le pipitologue. Je n'ai pas une autre cible ce soir. C'est ma temps pour moi. Donc, toutes celles qui veulent appeler sont les bienvenues. Mais je ne vais pas les inciter. Que le dialogue se fasse dans le respect, dans le calme. C'est tout ce que je demande. S'il vous plaît. Oui, tout le monde donne le respect. Les PDG se sont en train d'appeler ici. Tout le monde appelle. C'est ce qui fait mal à la saracolée. Tu es d'abord quoi? Tu viens dans le pays des gens, tu viens t'imposer. Tu ne peux pas. Pourquoi une digne camerounaise ne sort pas, ne vient pas dans les noirs pour inciter ton totem qu'on appelle pipitologue? J'ai dit, oh, il n'y a pas les gens au Cameroun pour la défendre. Pourquoi sa communauté ne la défend pas question? Toi, tu sors de quel trou? Qui te connaît? Tu as demandé le passeport à qui? Tu as demandé le visa qui pour entrer chez nous? Nous sommes Camerounaises, même si on s'insulte. Ça ne va jamais empêcher que nous sommes Camerounaises. Tu sors d'où? Tu viens d'où? Pour prendre les devants. Il n'y a pas les Camerounaises dans votre team de deux personnes qui peuvent la défendre question. J'ai dit, oh, parce que même sa communauté l'a vomi. Même sa propre communauté l'a vomi. Elle dit qu'elle est mariée, mais fait quoi vers les gaudes? Question. Accepte la demande et t'envoie la demande de la sœur. Bon, en fait, tu ouvres pour le trou là, tu me regardes un peu ça. Oui, beaucoup Bangala. Oui. Bébé, c'est pas l'épouse au moment. Il veut tout te donner, bébé. Il serait une bonne femme pour toi. Je te jure, c'est pas ça chauffe, oui. Bon, en fait, tu fous. Qui va appeler, je prends. Si vous ne parlez pas, je pars. Bon, je pars. Je ne parle plus. Je ne parle plus, je pars. La personne qui n'appelle pas, je pars.
pardon. C'est comme si tu venais de me défiler. Stéphane, pardon. Stéphane, c'est comme si tu venais de me défiler. Je te jure. Stéphane, ça chauffe, oui. Mais... Bon, en fait, tu fais ouvrir pour le trou là, tu regardes un peu ça. Oui, 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 beaucoup Bangala. Oui, oui, oui. Bébé, c'est pas l'épouse au manoir. Il veut tout te donner, bébé. Il serait une bonne femme pour toi. Il veut te donner un beau bébé. Ok, c'était les marmas verbales en direct de la télé de l'air. Continuez à suivre la télé, partagez la télé, likez la télé. Voilà, je pars. Je ne parle plus. Je pars. Elle peut me répondre si je suis là. Elle a le niveau. Elle a quelle tête? Elle paye. Chouana bong, elle paye moi. Elle paye moi. Yay! Je vais enlever les démons qui sont dans sa tête. Elle me maîtrise très bien. Je vais enlever tous les mauvais esprits qui ont pris possession de son corps. Je vais la délivrer par force. Je vais la délivrer. Un wepenga comme ça. Dernière blogueuse de la toi. Chouin. Cogez la télé. Quelle télé? Télé du clito avalé, question. Télé ma yele. Télé de poil kaki. Télé ma yele ma kaki, question. Pekan télé. Pekan télé. Les gens sont en train de demander à la fille Bamenda de venir. Hein. La fille Bamenda, les gens te réclament, c'est dans la salle. La fille Bamenda. Je pars. Je ne parle plus. Bye.